Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de transformer tous vos skins en skins Lego sur Fortnite et en solo. Ce que vous devez faire en réalité, c'est tout simplement mettre le mode de jeu Lego dans vos favoris sur Fortnite. Regardez, moi si je vais dans mes favoris, j'ai le mode Juno, donc c'est le mode Lego qui est dans mes favoris. Donc je sélectionne le mode et là il s'affiche directement en mode sélectionné sur Fortnite. Donc de là ça transforme tous mes skins en Lego. Si maintenant j'ai choisi un autre mode de jeu, ça va retransformer mon skin en skin normal tout simplement. Alors le problème c'est que mettre le mode Lego en favori, ça ne fonctionne plus en solo. Donc la seule solution pour que vous puissiez le faire en solo, c'est que vous rejoigniez le Discord que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé. Dans ce Discord, vous allez aller dans l'onglet bot. Ensuite, dans cet onglet, vous allez marquer slash login. Donc vous sélectionnez le bot Jules, et là vous allez devoir cliquer sur le premier lien autorisation. Ça va vous emmener sur une page internet d'Epic Games. Il faudra bien sûr que vous soyez connecté à votre compte Epic Games pour que le code s'affiche. Ensuite, à côté du mot autorisation, vous allez devoir copier tous les caractères qui sont entre guillemets. Et là, vous allez revenir sur le Discord, vous allez cliquer sur Submit Code et vous allez coller ce que vous venez de copier. Si c'est correctement fait, vous allez recevoir un petit message en couleur verte. Alors ensuite, vous allez devoir taper slash Lego. Vous cliquez sur le premier bot proposé et là, normalement, ça va vous mettre succès. Donc là, je l'ai fait avec un compte secondaire pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc vous pouvez voir que maintenant, quand je vais dans mes favoris, j'ai la map Lego Juno en favori. Donc là, j'ai plus qu'à la sélectionner et ensuite, ça va transformer tous mes skins en Lego. Donc vous n'aurez plus qu'à tester tous vos skins et toutes vos émotes en Lego. Alors petite information supplémentaire, si maintenant vous avez des potes qui veulent aussi la map Lego en favori, vous avez juste à les inviter dans votre groupe pendant que vous avez la map Lego sélectionnée et de là ils vont pouvoir cliquer sur les trois petits points et l'ajouter en map favorite. Donc ils n'auront pas besoin de passer par le Discord que je vous aurai mis en description ou en commentaire épinglé. Code créateur SCM.